Il en est qui cherchent le royaume de Dieu, c'est vrai, et sincèrement, mais qui ne le trouvent pas. C'est parce qu'en fait, il y a une condition. Et cette condition, elle peut se résumer tout simplement dans cette petite phrase. On ne met pas de vin nouveau dans de vieilles outres. Ainsi, un homme pharisien appelé Nicodème est venu de nuit trouver Jésus. Et il lui a dit, « Oh, maître, tu fais vraiment de belles choses, c'est vrai. Tu fais des miracles, ça se voit, tout le monde le reconnaît. Moi, je voudrais bien savoir un petit peu d'où tu viens, d'où tu tiens tout cela, qu'est-ce qui se passe. Dis-moi donc ton truc, finalement, ça se résume un petit peu à ça. » Mais on sait que Jésus lui répond à un côté. Il ne donne pas son truc, parce que ce truc, il faut descendre quelquefois de son piédestal pour le comprendre. Jésus lui dit en vérité, à moins de naître de nouveau, nul ne verra le royaume de Dieu. Et pour naître de nouveau, bien sûr, il faut accepter déjà de mourir. De mourir à soi-même, oui, de mourir à ses idées, hein, les idées qu'on te fait sur les choses. Moi, je dis que c'est ceci, moi, je dis que c'est comme ça. Non, mourir à toutes ces idées, mourir à ses partis pris, moi, je suis pour ceci ou pour cela. Mourir à son péché. Quelquefois, on a de lourds péchés qu'on traîne très lourdement. On oublie qu'il y a quelqu'un qui a tout pris sur lui et qui pourrait nous en décharger. Nicodème n'a pas compris ou fait semblant de ne pas comprendre, peut-être. Quand il lui répond, mais enfin, comment un homme peut-il naître alors qu'il est vieux? Ça n'a pas de soi. Oui, et pourtant c'est vrai. C'est vrai. Tu peux naître de nouveau. Le Seigneur ne ment pas. Tu peux recommencer toute ta vie si tu veux aujourd'hui, même si tu as 60, 70, 40 ans. Même si tu as beaucoup de péchés, même si tu ne crois plus en rien, aujourd'hui, tu peux recommencer. Tu peux accepter de déposer tes fardeaux, ton péché, tes idées, tes partis pris, et repartir à zéro avec Jésus, comme dans cette chanson. Partir à zéro avec Jésus pour berger.